c'est une occasion qu'on a saisie de présenter notre principe de désherbage thermique à des collectivités, donc les mairies, les services techniques, pour leur proposer une alternative au désherbage par produits phytosanitaires, qui est une contrainte importante en ce moment, compte tenu de l'impact sur l'environnement. Alors les personnes qui étaient présentes sont venues pour avoir une information sur le produit, puisqu'on a communiqué largement sur l'usage et les avantages de ce système. Donc ils étaient très curieux d'entendre nos arguments et de voir aussi le côté pratique avec une démonstration par les distributeurs du matériel. Les gens sont montrés très intéressés avec beaucoup de questions tout au long de notre présentation. Le grand principe du désherbage thermique, en fait, c'est de créer un choc très important, un choc thermique très important au niveau des plantules. Donc avec nos brûleurs brevetés, on atteint une température de flamme de 1400 degrés. Il faut savoir qu'à partir de 80 degrés, les cellules collagènes des plantes donc éclatent. Et donc derrière, on a effectivement le dépérissement de la plante. Donc c'est une fraction de seconde avec une température très intense. L'avantage premier, c'est évidemment que ce n'est pas des produits chimiques. Donc pour l'environnement, on ne dépose plus des molécules nocives pour l'environnement, les rivières, l'écosystème biologique. Donc puisqu'on se contente juste de brûler, de faire un choc thermique sur la plante. Donc on déverse aucun produit chimique dans la nature. Le thermique est facile d'usage. Donc pas besoin de préparation de produits ou de cuves ou de nettoyage. Évidemment, là, économiquement, le thermique est plus compétitif. Donc je dirais ça se vaut pratiquement par rapport aux produits phytosanitaires. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de brûleurs, donc on a des rendements qui sont tout à fait intéressants. Et surtout, le thermique n'est soumis à aucune réglementation. Aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions. Il n'y a pas de contraintes environnementales par rapport à l'usage du thermique qui est reconnu en culture bio. Deux bouteilles pour alimenter ça qui sont en réseau. Oui, aujourd'hui, la réglementation au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires, notamment toutes les zones recevant des eaux de ruissellement, c'est-à-dire un caniveau par exemple, aujourd'hui, tous ces lieux-là, on est interdit d'utilisation de produits phytosanitaires. Afin de pallier à ça, deux solutions s'imposent. C'est soit le travail manuel, la rasette, mais par des conditions climatiques telles que de la pluie, c'est du travail à proscrire. Je crois qu'aujourd'hui, après la démonstration avec du gaz, ce serait peut-être une alternative supplémentaire par rapport au travail manuel, d'utiliser du gaz. Notre commune a adopté le désherbage thermique depuis quelques années. En effet, depuis 2009, nous expérimentons cette technique. Le désherbage thermique semble moins coûteux que les produits chimiques et surtout moins dangereux pour la santé. C'était ça le but essentiel, c'est de remplacer ces produits par un autre procédé. C'est un produit qui a de l'avenir puisqu'il va remplacer progressivement tous les produits chimiques actuels. Ça reste aussi un complément, ça ne sera pas non plus une exclusivité pour le désherbage, cet appareil-là, ce système. Donc c'est un complément aux méthodes traditionnelles hors phytosanitaire. Le thermique aujourd'hui, effectivement, c'est un message qu'il faut faire passer parce que ce n'est pas ancré dans les pratiques. On reste encore sur l'usage des produits phytosanitaires. Donc c'est une évolution. C'est une évolution un petit peu des mentalités. Et notre rôle, comme aujourd'hui, par exemple, sur ce type de démonstration, c'est de prouver que le thermique est aussi performant que le reste.